Là. Là, il y a tout. Une jolie carte commune. Oh, le doublé! Le doublé! Le doublé! Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle session de carpe automnale. Vas-y, tu peux montrer un peu les temps. Donc là, on fait une petite session de la journée. Voilà, on va pêcher tout au long de la journée en espérant prendre au moins un fish, au moins une petite carpe ou même une belle carpe, on espère. Là, je pense que ça va être assez compliqué. De plus, il faut que je vous explique, j'ai relevé un défi avec un youtubeur. Donc je vous mets la chaîne juste ici là. Donc du coup le défi c'est quoi? C'est de réussir à prendre une carpe, petite ou grosse, n'importe, on n'a pas dit de poids, à la bouillette fruitée. Donc voilà, donc là j'ai des cannes à la bouillette fruitée, surtout à la fraise. Donc on va relever ce défi, essayer de réussir ce défi surtout. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, là je vous mets une petite cinématique de mon matos. Et puis c'est parti, allez bye. Là, il y a tout. Chercher l'épuisette, c'est une brème. Bon, du coup, voilà. Pas beaucoup d'activité aujourd'hui. Une belle petite brème. Je vous la montre. Bon, voilà, petite brème. Bon, j'ai vraiment pas senti au bout de la ligne. Voilà. Bon, je l'ai pris à la bouillette fraise en 10 mm. Voilà, une belle brème. Prise à la fraise avec deux mailles jaunes. Allez, on la relâche. Repart. Bon, du coup, on se retrouve après ce tout petit poisson. Voilà, donc très compliqué, très peu d'activité sur les temps, vraiment pas de poisson qui bouge. Je pense que là, ils sont vraiment bloqués au fond, ils bougent pas. Ils attendent que l'eau se réchauffe un peu. À mon avis, ça va pas arriver, mais bon, c'est comme ça. On sait tous que la pêche à la carpe, c'est compliqué hein, quand les eaux se refroidissent. Donc voilà, au moins on aurait eu la petite visite d'une petite brème. Donc je sais pas si
vous validez le défi, mais bon, écoutez, ça fait un poisson à la bouillette fraise et avec deux maïs flottants. Voilà. Voilà, seul poisson pour l'instant. On croise les doigts, il nous reste encore une heure et demie de pêche. On va relancer la canne et puis ben, on se retrouve si on fait un autre poisson. Allez, bye. Bon, du coup, voilà. Un deuxième poisson inattendu parce qu'on venait juste de relancer la canne. Une magnifique commune. Très belle couleur d'ailleurs. Voilà, bon, ça doit faire 5 kilos, hein, pas plus. Peut-être 6. Mais un petit poisson, vraiment pas gros. Voilà, mais des belles couleurs. Regardez ça. Voilà. Un magnifique poisson quand même. Bon. J'adore moi les communes. Ça change un peu des miroirs. Voilà. Bon, allez. On va la peser et puis on va vite la remettre à l'eau. C'est parti. 6,5. 6,5. Voilà, c'est ce que je disais. Ah mais c'est combien ? 6,5. Une petite commune de 6,5. Du coup, celle-là, elle fait 6,5. Voilà. Allez, on va remettre à l'eau le poisson. C'est parti. Oh, le doublé. Le doublé. Le doublé. Regardez ça. Oh, c'est magnifique. Au revoir. Salut. Bye. Yes. Hop, c'est parti. Allez, nouvelle petite. Allô. Bon, du coup, j'allais envoyer un message. Une jolie carpe commune. Vraiment une belle carpe commune. On va aller vite la remettre à l'eau. Un magnifique poisson. Regardez cette belle mémère. Allez, on va vite la remettre à l'eau. C'est reparti. Yes.